C'est marrant ça.
croissant, gamin. Bonsoir les gens. La journée du TGS est finie et du coup, la semaine aussi. Du coup, j'ai acheté quelques petits trucs sur le TGS que je vais vous montrer. Je vais vous parler aussi un peu des personnes que j'ai rencontrées parce que j'ai pas forcément filmé. Niveau achat, j'ai pris cette petite broche, beaucoup trop mignonne, du voyage de Chihiro. J'ai aussi ce manga, donc Crying Girls, celui qui faisait pleurer les filles, de Nico, volume 1, dédicacé. Alors, attendez, je vous montre la dédicace quand même. Je sais pas si vous allez bien la voir. Mais du coup, pour la petite histoire, c'est en fait un collègue de travail à moi, j'ai appris qui dédicacer son manga et du coup je suis allée le chercher. Je ne l'ai pas encore lu, mais dès que j'aurai lu, d'ici la semaine prochaine, je vous en parlerai du coup. Mais je vous conseille quand même de vous renseigner dessus pour voir si ça vous plaît. J'ai aussi acheté une tasse avec un petit écureuil dessus, qui est trop trop cute. Du coup, ça c'est de Brown Concept Art Illustration. C'est ceci. Donc voilà, c'est un créateur, j'ai super fan de son travail. Il m'a dit qu'il allait ouvrir une boutique internet dans pas longtemps. Puis la dernière chose pour laquelle j'ai craqué, j'ai honte de moi, je suis faible, c'est ceci. C'est un lama. Ou un alpaga, comme vous voulez, c'est un alpaga. Je suis faible, les gens. Mais regardez-moi ça, trop mignon. Regardez ce petit bruit. C'est pas cute. Sinon, au niveau des personnes rencontrées, j'ai eu la chance de rencontrer Colin Sekosuke. Du coup, c'est deux youtubeurs que j'adore, qui font des vidéos gaming, qui font beaucoup de live. Et je vous invite vraiment, vraiment à passer par leur chaîne parce que ils sont trop drôles, ils font des jeux bien. J'ai découvert Deceit grâce à eux et j'en suis plutôt... Je suis contente d'avoir découvert ce jeu. Du coup, j'ai pu les rencontrer, ils se baladaient dans le TGS, j'ai pu parler un petit peu, surtout avec Kosuke. Et ils sont super sympas, vraiment. J'étais trop contente. J'ai aussi rencontré Léo et Arthur des Trashers, dont j'ai la dédicace. Donc ça, c'est juste trop bien. Bon, tout le monde connaît les Trashers maintenant, hein, donc j'ai pas besoin de vous dire plus ou moins qui c'est. Les derniers, c'est donc la chaîne de Mozi, donc Jérém et Jess. Ils sont toulousains forever. Et surtout, je les avais déjà vus en fait dans un magasin, mais j'avais pas osé aller vers eux. Et du coup, là, il était en dédicace et je me suis dit, obligé, j'y vais. Cette fois-ci, j'y vais. Il y avait pas Jess, mais il y avait Jérém et bah, super sympathique. Enfin, c'est ce genre de youtubeurs qui sont pas trop connus et qui du coup ont largement le temps pour nous. Enfin, c'est génial. Donc, merci beaucoup, Mozi. C'était une journée plutôt sympathique, j'ai pu rencontrer des personnes et tout, c'était vraiment génial en fait. Ça fait un moment que j'étais pas allée au TGS, j'en ai fait 4, du coup maintenant 5. Et ça faisait un an je crois que j'étais pas allée parce que pas grand monde m'intéressait tout ça. Et là, il y a de plus en plus de monde qui vient, il y avait une petite œuf, je voulais faire dédicacer mais bah, j'ai pas le temps. Et du coup, il y a plein de gens, maintenant ça grandit de plus en plus, on rencontre des gens et... Ah non, franchement, c'est génial. Et sur ce, et bien la vidéo de la semaine est terminée. On se retrouve pour la semaine prochaine. Les nouvelles ouvertures de calendrier. Et je ne sais pas trop ce qui va se passer dans ma vie la semaine prochaine. A très vite.